Ouais, bah tu vois, il va y avoir un événement. Et à partir de cet événement, nous allons envahir l'Afghanistan. Pour construire des pipelines à travers la mer Caspienne, nous allons envahir l'Irak pour prendre le contrôle du pétrole et établir une base au Moyen-Orient et les intégrer au nouvel ordre mondial. Et ensuite, nous irons nous occuper de Chavez au Venezuela. On verra des soldats fouiller des grottes à la recherche de responsables en Afghanistan, au Pakistan et à tous ces endroits, et qu'il y aura une guerre contre le terrorisme où il n'y aura pas de réels ennemis. Tout ça, ce sera une mystification, ce sera une façon pour le gouvernement de contrôler les Américains. Il n'y aura pas d'ennemis réellement identifiés, comme ça il ne pourra pas y avoir de vainqueur. Et le conflit pourra s'éterniser et on pourra faire ce qu'on voudra, on continuera à faire peur au public américain. Nous allons organiser d'ici un an, avec des gens de notre propre gouvernement, de notre propre système bancaire, un attentat chez nous. Pour créer la peur au sein du peuple américain. Pour qu'ils acceptent tout ce que le gouvernement décide de faire. Nous accuserons les Arabes et tout le monde va y croire. Il s'agit de faire une fausse guerre sans fin contre un terrorisme imaginaire. Ensuite, on va aller en Irak, soi-disant, pour faire tomber Saddam Hussein et ses armes de destruction massive qui n'existent pas. Et ce sera parfait car on ne pourra pas trouver de responsable et ainsi il n'y aura jamais de victoire définitive. Toute cette guerre contre le terrorisme sera un mensonge, une farce. C'est quelque chose de difficile à avouer publiquement pour ceux qui savent, car on intimide les gens pour qu'ils se taisent, ou on les fait disparaître, ou on les paye. L'important est que les gens ne sachent pas que toute cette guerre contre le terrorisme ne sera qu'un mensonge, une farce. Il y aura bien une guerre en Irak, nous allons bien envahir l'Irak. Des gens se battront effectivement là-bas, mais la guerre contre le terrorisme n'est qu'une blague. Et tant que personne ne saura la vérité, que c'est nous les responsables d'origine de toute cette guerre contre les terroristes, tant que personne ne connaîtra la vérité, on pourra prendre le contrôle de la planète tranquille. Si on te recrute, ne t'inquiète pas, notre piste t'identifiera comme l'un des nôtres, tu seras intouchable. Si tu veux nous rejoindre au CFR pour le nouvel ordre mondial, c'est ok. Je t'apprécie Nick, mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses, ça ne m'intéresse pas de servir les gens. Pourquoi te soucies-tu de ces gens? Prends soin de ta propre vie, fais du mieux que tu peux pour toi et pour ta famille. En quoi la vie des autres devrait te toucher? Ce sont juste des serfs, c'est juste le peuple, c'est rien. Quel est le but dans tout ça? Tu as tout l'argent dont tu as besoin, tu as tout le pouvoir que tu veux. Que veux-tu de plus? Quel est l'objectif? L'objectif est que tout le monde ait une puce pour pouvoir contrôler toute la société et que les banquiers et les gens de l'élite contrôlent le monde. Est-ce que les gens au CFR pensent comme toi? Non, la plupart pensent qu'ils œuvrent pour le bien. Et que penses-tu de l'émancipation des femmes? C'est bien, les femmes avaient logiquement le droit de travailler et d'avoir la même paye que les hommes, tout comme elles avaient obtenu le droit de vote. Tu es un idiot. Pourquoi suis-je un idiot? Laisse-moi te dire de quoi il s'agit vraiment. C'est nous, les Rockefeller, qui l'avons organisé. Nous sommes à l'origine de l'émancipation des femmes, nous qui possédons tous les journaux et télévisions et la fondation Rockefeller. Et tu veux savoir les deux principales raisons pour lesquelles nous avons fait cela? La première raison, c'était qu'auparavant, nous ne pouvions taxer que la moitié de la population. Et la seconde raison, c'est que maintenant, les enfants vont à l'école beaucoup plus tôt. Nous pouvons donc plus facilement les endoctriner et briser le lien familial. Ainsi, les enfants considèrent l'État comme si c'était leur famille. Ils considèrent l'école et les autorités comme leur vraie famille. Alors, voilà les principales raisons pour l'émancipation des femmes. Sais-tu que c'est la CIA qui a fondé Miss Magazine? Oui, pour l'objectif de pouvoir taxer toutes celles qui l'achèteraient. Je me doutais bien que la CIA était impliquée là-dedans. Tu es mon ami et je veux que tu deviennes un membre du CFR. C'est une bonne opportunité. Plutôt que de te battre contre nous en informant la population, tu as beaucoup de succès dans le cinéma, tu pourrais être avec nous pour manipuler le peuple. Si tu nous rejoins, tu auras une carte spéciale, une puce spéciale, et que si jamais quelqu'un t'arrêtait, un policier par exemple, il suffirait que tu lui montres ta carte et ta puce, il te laisserait tranquille car tu serais l'un d'entre nous. Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi te bats-tu pour ces gens? Quel intérêt? Ces gens doivent être mis sous contrôle. La Constitution et tout ce pourquoi tu te bats, ce n'est fait que pour une minorité qui peut vivre de cette façon. Et nous pensons que la société doit être dirigée par une élite qui contrôle tout. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que Dieu m'a placé sur Terre pour que je puisse devenir la meilleure personne possible, comme n'importe qui, et pas pour que l'on devienne un esclave ou un mouton. Pour toi et tous ces gens de l'élite, et je ne comprends pas pourquoi tu veux tout contrôler. Qu'est-ce que ça t'apporterait? Et d'ailleurs, j'ai posé la question à d'autres membres du CFR pour voir s'ils pensaient comme toi. Beaucoup pensent simplement faire le bien et croient que le socialisme est le meilleur chemin. Ils pensent faire le bien, mais ceux qui dirigent, eux seuls, connaissent la vérité. Bien sûr, il y a beaucoup de gens au CFR, environ 2000 ou 3000, je ne sais plus exactement. Ils ne savent pas de quoi ils retournent vraiment. Ils ont rejoint le CFR parce que c'est prestigieux. Ils pensent que c'est bon pour le business. Ils ne savent pas ce qui se passe vraiment.
Nous avons prévu de diminuer la population mondiale de moitié vers 2010, car il y a trop d'hommes dans le monde. Je cherche une solution au problème que posent les Palestiniens pour les Israéliens. J'ai même envisagé de déplacer Israël en Arizona, de prendre les gens en Israël, leur offrir des millions de dollars et refonder Israël dans l'état d'Arizona. T'es fou, t'es en train de parler du 666.